Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un training gros bras, c'est-à-dire qu'on va travailler spécialement les triceps. Donc c'est un training spécial triceps, sachant que le triceps c'est la plus grosse partie, qui prend la plus grosse partie du bras. Donc si vous voulez des gros bras, c'est les triceps qu'il faut, c'est sur les triceps qu'il faut se concentrer et non pas sur les biceps. Donc aujourd'hui on va faire un entraînement triceps tous ensemble. Ça devrait durer entre 15 et 20 minutes. On va faire 3 exercices qu'on peut faire à la maison. Sans poids ou avec des poids, c'est comme vous voulez, vous pouvez en rajouter, là je vais faire sans poids, mais vous pouvez en rajouter chez vous si vous en avez. On va faire donc des séries de 10, on va faire 4-5 séries selon les exercices, on a 3 exercices. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Donc j'ai dit un entraînement sans matériel, donc vous voyez j'ai un tapis, un banc, si vous n'avez pas de banc vous pouvez prendre une chaise, n'importe quoi, vous verrez que ça fait pareil. Et un tapis pour mettre au sol, mais il n'y a même pas besoin vraiment de tapis. Donc voilà, si vous êtes prêts, on est parti pour un entraînement donc triceps. En attendant, je vous laisse vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et ne pas louper les prochaines vidéos. C'est important. Le petit like en dessous de la vidéo qui fait plaisir et des commentaires si vous voulez avoir plus de précision, si vous voulez me donner des idées de training, des choses que vous voulez voir, des choses que vous voulez apprendre. Donc n'hésitez pas à me poster tout ça en commentaire. Je vais mesurer le temps, on aura une minute de pause entre les séries et les exercices. Donc j'ai mon petit chrono qui est là. Et voilà, donc sur ce, on est parti les amis, on commence avec le premier exercice qui est les extensions triceps au sol. Un super exercice pour les triceps quand on est à la maison et qu'on n'a pas beaucoup de matériel. Donc voilà, assez parlé, on est parti, on commence tout de suite. Pour les extensions triceps, j'explique rapidement. On met les mains au niveau de la tête en position de pompe et le but, largeur d'épaule, et le but c'est de se relever à la force des triceps. D'accord ? On revient, on remonte. Ok ? On va faire 4 séries de 10 comme ça de cet exercice. Et après, on passera à l'exercice suivant. Vous êtes prêts ? Allez, on va y aller ensemble. On se met en position. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Voilà, donc je démarre les 1 minute de récup. Donc on va prendre 1 minute de récup entre les séries pour cet exercice. Si vous n'arrivez pas à le faire au sol, c'est possible de se mettre contre un mur pour débuter. Vous vous mettez contre un mur et vous faites le même exo contre le mur. Ça marche aussi. Et plus vous allez y arriver, plus vous descendez le niveau de vos mains. Après, vous pouvez vous mettre comme ça sur un banc. Les pieds, j'aime pas trop marcher sur le tapis, mais les pieds là-bas. Et vous pouvez faire pareil. D'accord ? Au sol, c'est le plus dur parce qu'il y a plus de poids dessus. Mais sinon, on peut le faire sur une chaise comme je viens de vous montrer. On peut le faire contre un mur. Ça change d'exercice et c'est très, très efficace pour les triceps. Allez, 10 secondes de pause. 10 secondes de pause et après, on est reparti pour une deuxième série. Je me suis bien échauffé avant par contre, donc important de bien s'échauffer. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On lance les minutes de récup. On a fait donc 2 séries. Allez, normalement, on les sent bien se contracter quand on fait cet exercice. Là, il nous reste 45 secondes de pause. Vous pouvez voir une petite bouteille d'eau à côté pour boire entre les exercices. On va attaquer donc la troisième série. Et après cet exercice, on va passer aux pompes. Prise serrée pour les triceps, mais je vais vous montrer ce que c'est la vraie prise serrée pour les triceps parce que sur les réseaux on voit n'importe quoi. Soyez bien d'accord, hein, les pompes en diamant ça fait pas du tout spécialement les triceps, c'est nul, nul, débile. Je vais vous montrer ça juste après. Allez, 5 secondes, on se prépare pour la troisième série.
Et voilà. Allez, c'est parti. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, super les amis. Super. C'est comme ça qu'on travaille les bras. Vous aurez des gros triceps. Triceps qui pourront vous servir également, vous aider dans le mouvement du développé couché, même si ce n'est pas le muscle le plus visé par le développé couché. Quand on est en prise normale, normalement on vise les pecs. Donc on essaye d'éliminer les triceps du mouvement pour, au maximum pour viser vraiment les pecs. Mais ça n'empêche qu'ils interviennent quand même. Et plus qu'ils sont musclés, plus vous pouvez rajouter de répétitions sur votre développé couché. Et ça peut aider dans la progression de vos pecs. Donc voilà, c'est pour ça hein, que je dis toujours travailler tous les muscles du corps. Parce que les uns s'imbriquent avec les autres. Et les uns permettent de progresser aux autres. Donc voilà, allez. 10 secondes de pause encore. On peut commencer de se préparer pour la dernière série. Pour la dernière série d'expansion triceps au sol. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Main au niveau de la tête. Et on se relève. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas facile, hein, à la fin. C'est ça qui est bon. Allez, on prend aussi 1 minute de pause donc, entre les exercices. Et là, on va passer donc aux pompes serrées. Alors, pompe prise serrée, j'explique pendant cette minute de pause. D'accord? Le but de travailler les triceps. Les triceps, ils permettent d'étendre le bras. D'accord? Et les pecs permettent de ramener le coude vers le corps. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez les mains serrées comme ça au milieu, les coudes, ils partent vers l'extérieur quand vous êtes en bas. Obligatoirement. Vous ne pouvez pas garder les coudes serrés et avoir les mains là. D'accord? Donc, comme les coudes partent vers l'extérieur et que vous avez les mains serrées au milieu, ça travaille également les pecs puisque les pecs vous permettent de ramener le coude vers le corps. Quand vous dépliez, vous ramenez le coude vers le corps. Donc les pecs, ils travaillent quand même. Donc pour viser les triceps, on met les mains largeur d'épaule. Largeur d'épaule et les coudes sont collés au corps. De cette façon, le seul mouvement qu'on va avoir, c'est comme ça. Et comme ça, on rapproche jamais, on cherche jamais à rapprocher le coude du corps. Donc on travaille vraiment les triceps. On travaille vraiment les triceps en faisant uniquement ce mouvement-là. D'accord? Allez, c'est parti. 1 minute de pause. Donc c'est bon. On est parti pour la première série de 12 répétitions des pompes prises serrées. Vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. On va prendre également donc 1 minute de récup entre ces séries de pompes. Donc voilà. Donc si vous n'arrivez pas de votre côté, si vous n'arrivez pas à faire ces pompes, vous pouvez vous incliner légèrement. Même en gardant les coudes le long du corps, vous inclinez légèrement pour faciliter légèrement la tâche. D'accord? Ce sera un petit peu plus facile. C'est un petit peu moins efficace pour les triceps, mais c'est un petit peu plus facile et ça vous permet quand même de faire cet exercice chez vous. Pareil, si vous avez, si pour vous par contre c'est trop facile. Rien n'empêche de rajouter un poids sur le dos, hein, tant que le dos il reste droit. Donc là, je n'ai pas précisé, mais il faut que le dos reste bien droit pendant les pompes. D'accord? On ne tord pas juste le dos, on ne fait pas juste ça. Ça sert à rien. C'est nul. Mais du coup, si vous y arrivez facilement, vous pouvez rajouter là une charge sur le dos. Donc un sac à dos, un poids, n'importe quoi, qui vous permettra de rendre l'exercice plus dur et de faire des pompes lestées. Donc. Très efficace. Allez, les parents, les amis, 1 minute, c'est fini. Je parle trop. Allez, on est reparti. Pour une série de 12. 1, 2, 3, 4. Pensez bien aux triceps. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, 1 minute de récup. On a fait 2 séries. Donc c'est bon, 2 séries. Commence à sentir les triceps un peu brûlés, hein. Ça commence à
commence à se sentir. Donc on va faire 5 séries comme ça. 5 séries de pompes, on en a déjà fait 2. Allez, encore 30 secondes de pause. Pensez à bien respirer et pensez à bien vous concentrer pendant vos pompes sur uniquement les triceps. D'accord? C'est très important la direction de l'influx nerveux que vous donnez. Vous devez être à 100% concentré sur vos triceps. Si vous pensez à vos triceps, votre corps envoie l'énergie vers vos triceps et vous êtes plus efficace. Allez, c'est parti les amis. 5 secondes, on se met en position. Hop, c'est parti. Main largeur d'épaule, les coudes le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super, 3 séries de fête. On relance les 1 minute de pause. Allez, on lâche rien, encore 2 minutes, encore 2 séries. Enfin 2 minutes, mais 2 séries. Et après, on passera à l'exercice suivant, qui sera des dips. Les dips sur un banc. Parce que pour ceux qui n'ont pas de matériel du tout, vous n'avez pas les barres comme il y a en salle. Donc soit sur la chaise romaine, soit des barres parallèles qui permettent de faire des dips. Donc je vais faire un exercice spécial pour la maison quand on n'a pas de matériel. Donc j'ai pris mon banc, mais je vous l'ai dit au début, hein, on peut largement remplacer le banc par une chaise. C'est ce que je faisais moi avant quand j'avais pas ce banc. Si bien évidemment chez vous vous avez des barres parallèles pour faire des dips, n'hésitez pas à les prendre, hein. Vous pouvez. C'est encore plus efficace. Allez les amis, on va se lancer pour la 4e série, 5 secondes il reste. On se met en position. Allez c'est parti, main largeur des épaules et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. On lâche rien. On continue comme ça. Encore 1 minute de pause. Et il nous en reste plus qu'une série, il nous reste. Séance spéciale gros bras. Donc comme je disais, hein, les bras c'est 2/3 de triceps à peu près. Donc plus vous faites grossir vos triceps, plus vous aurez des gros bras. Allez, 30 secondes de pause. Faut en profiter pour boire un petit coup. J'ai même pas pris ma bouteille du coup. Erreur. Allez. 15 secondes. On va se préparer pour la dernière série. Pour la dernière série de pompes prises serrées. Les vraies pompes qui recrutent les triceps. Et non pas les autres qu'on voit sur les réseaux. Allez les amis. Dernière série. On est parti. Main largeur des épaules. C'est parti. On colle les coudes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. J'avais presque envie de continuer. Allez, encore 1 minute de récup. Et ensuite, donc, on passe aux dips sur le banc. J'espère que vous êtes prêts. Donc les dips sur le banc, j'explique, on enlève le tapis. Dips sur le banc, facile, on s'assoit au banc, on prend la largeur des épaules, on étire devant et on fait des dips. D'accord? On peut descendre bras jusqu'à la parallèle du sol si ça étire pas trop le faisceau antérieur de l'épaule. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous pouvez descendre un peu moins bas. Allez, il nous reste 10 secondes.
5, 4. J'espère que vous êtes prêts. Je vais me rapprocher un peu mieux. Voilà. Allez, c'est parti pour la première série de dips. Donc, comme je disais, on se met au bord, on met les pieds devant et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Ça, on sent que ça fait bien les triceps. Allez, on est reparti sur 1 minute de pause. Comme d'habitude. Alors, pour ceux qui ont du mal à faire cet exercice, pareil, on peut l'adapter. D'accord? Niveau plus facile, je vous montre. Niveau plus facile, on laisse les jambes comme ça. Comme ça, on peut aider un peu avec les jambes à remonter. D'accord? Donc ça, c'est le niveau plus simple. Pour ceux qui sont à l'aise, qui veulent progresser et aller plus loin, je vous montre une petite astuce. On prend une deuxième chaise chez soi. Ben, je vais vous le montrer pour cette série. Je vais faire avec la chaise pour cette série. Allez, il reste 20 secondes. Donc, je vais vous montrer. Donc, on met les pieds sur la chaise. C'est plus dur. Ça rajoute le poids des jambes. Et on peut faire encore plus dur après. Vous verrez que dans cette position, en ayant les pieds sur la chaise, on peut poser un poids sur les cuisses. Et ça rajoute du lest pour les dips, pour faire des dips lestés donc à la maison. Et c'est encore plus efficace. Allez les amis, on est parti pour la deuxième série de dips. On met les mains à peu près largeur des épaules sur le banc. Hop. On met les pieds sur la chaise ou par terre pour ceux qui ont. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 et 11. C'était une série bonus. C'était cadeau, c'est la série bonus. Allez, 1 minute de pause. Donc voilà, pour rajouter de la difficulté, pensez à mettre une chaise. Et vous pouvez bien sûr rajouter un poids par-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc on a fait 5 séries de pompes, on a fait 4 séries d'extension triceps au sol. Et là, on va faire donc 5 séries de dips. Et on en a déjà fait 2. Donc là, il nous reste 30 secondes de pause. Et après, on attaque la troisième série de dips. Allez, 25 secondes. Pensez à bien souffler quand vous faites votre exercice. On respire quand on étire. On souffle quand on pousse, quand on contracte le muscle. Cinq secondes, les amis. J'espère que vous êtes prêts. De votre côté, c'est bientôt parti. Et voilà, 1 minute. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Allez, encore avec moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'avais dit 10, mais j'avais fait 12, j'en fais une bonus à chaque fois. C'est cadeau. J'ai pas pensé, mais une bonus à chaque fois du coup. Donc voilà. Il nous reste 40 secondes de pause. Allez, 30 secondes. On a fait donc 3 séries. Promis, je ne rajoute pas une répétition bonus pour cette série. Allez, quatrième série donc. Il nous en reste plus que 2 et c'est bientôt fini. Donc on n'abandonne pas maintenant. Même si on a un peu les triceps qui chauffent. Allez, 10 secondes. On est parti pour la quatrième série. Préparez-vous. Et voilà, allez, c'est parti. Une série de 10, une vraie. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, super les amis, il ne reste plus qu'une série. Donc, je vais remettre le chrono à 1 minute. Et on prend 1 minute de pause, comme d'habitude. Plus qu'une série et après on a terminé. On n'arrête pas maintenant. On aura fait un bon petit entraînement triceps efficace. De votre côté, vous pouvez le refaire plusieurs fois cet entraînement et progresser à chaque entraînement, comme je disais par exemple en rajoutant des charges. Donc pour les extensions triceps et les pompes, vous rajoutez les charges sur le dos. Pareil pour les dips, vous augmentez déjà en mettant la chaise devant vous et les pieds sur la chaise. Et ensuite, vous rajoutez des poids sur les cuisses. Vous les posez les plaques ici. Donc un sac, une plaque de poids, vous pouvez rajouter ici sans problème. Allez, 10 secondes de pause. Et après, c'est la dernière série. On va peut-être faire une répétition bonus pour cette dernière série. Allez, on en fait une de plus. Allez, c'est parti. Ok. On met les jambes devant, les mains sur les épaules et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6. Allez, encore. 7, 8, 9, 10 et 11. Super les amis, bien joué. On vient de terminer donc notre entraînement spécial triceps pour avoir des gros bras. Sur ce, je vous laisse désormais vous abonner en bas, juste en bas. Cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Mettez un petit pouce bleu et on se retrouve de suite pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.